Et c'est bon, ton émission là, je pense qu'il faut arrêter. Tu veux qu'on arrête? Non, on n'arrête pas, on doit partir. Non, mec, il faut couper ça. Oh, il faut arrêter. C'est ta soeur et tu écris mon amour à Bestie. Tu mets le cœur avec l'alliance, c'est normal. Non, mais... Pourquoi elle est la seule soeur? Et attends, là, tu es sérieuse. Tu me trompes carrément. Et tu dis que tu n'es pas déjà à trouver. Que là où on t'entretient bien, l'amour s'y installe également. Prévenu et on a mais commencé. Mais c'est pas elle me trompe. Tu poses la question alors qu'elle me trompe. Non, il faut qu'elle nous explique pourquoi. Expliquer quoi? Il n'y a plus besoin d'explication. Elle me trompe. Ah oui, les gars, qui n'a pas encore téléchargé l'application 1X bénéficie mon code promo GetNB, les gars. C'est 200% de bénéfice. Ça veut dire quoi, gars? Ça veut dire que si tu mets 10 colos, 10 000 francs, tu as 30 000 francs rien que pour tes paris. C'est le NDEM, c'est la magie ici au Cameroun. Le Cameroun, c'est quoi? C'est un bang. Avec 1X, les gars, je suis la mort. Là, écoute, d'abord, pareil. Allez, we are together. Allez, lâche un pouce bleu. C'est pour nous encourager. Lâche, merci. Man, yo cameraman, il y a un couple là-bas, gars, ils ont l'air très 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 sexy, très sérieux là. D'abord le flou pour qu'on les voit pas avant de les attaquer, tu vois. D'accord, ouais. Ok, gars, donc tu restes là où tu es là, je m'avance vers eux, donc okay. Il faut pas qu'ils te remarquent, tu vois un peu, non. Alors. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Voilà. Attendez. C'est quoi avec le micro? Le micro, c'est... En fait, je suis un youtubeur, vous voyez un peu. Ouais. Donc, je fais les tests de fidélité, je pose des questions aux gens dans la rue. Non, mais voilà, c'est sur nous que tu viens faire ton test de fidélité. Non, c'est que j'ai vu là, non. Vous avez l'air d'être très beau, je vois un peu. Et puis, j'ai... En fait, le test de vidéo, c'est quoi? C'est voir ce match entre vous. Oui. Vous allez un peu voir, vous allez nous excuser parce que c'est depuis qu'on a tenté de filmer, ouais, un peu, le caméraman est un peu là-bas. Oui, je vois ça. C'est normal. Il fallait d'abord demander notre justement, avis. Justement, on vous a demandé votre avis. C'est pour ça que maintenant, je vous fais maintenant comprendre qu'il y a un caméraman qui filmait un peu. Là. Tu vois, excusez-moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on va non, il va arrêter de filmer. Chérie, t'inquiète pas, c'est juste un test. Et après, toi, on n'a rien à cacher. Il n'y a pas de souci, non. Donc, c'est juste un test. On va vous poser les questions pour voir si ça match entre vous. Hein. Oui, donc, si ça bon, je pas appelé le caméraman. Il peut s'approcher. Non, sans problème. Caméraman, s'il te plaît, tu approches. Ils ont accepté. Allez, je peux me placer entre vous. Ah, non, désolé. Bon, le test de fidélité, je vais vous expliquer d'abord. Avant de vous expliquer, est-ce que vous pouvez me donner vos téléphones pour qu'il n'y ait pas de tricherie? Pourquoi? Non, c'est juste un concept. Il n'y a pas de tricherie. Donnez vos téléphones. Oh, vas-y, chérie. Parce que tu peux casser ton téléphone, tu vois. Arrête, je vais d'abord arrêter ton téléphone. Tu vois, parce que c'est un test de fidélité, vous comprenez un peu. Maintenant, je t'explique le concept du test de fidélité. Ok. Le test de fidélité veut dire que quoi? Je vais, avec, comme tu m'as donné ton téléphone là, non? Oui. Mais d'abord, tu connais son mot de passe? Non. Donne-lui ton mot de passe, s'il te plaît. D'accord, c'est 270101. 270101. On se fait déjà confiance, c'est ça le test de fidélité. Oui. D'accord, on essaie alors de déverrouiller ensemble. Tape 270101 pour voir si ça déverrouille sur son téléphone. Exactement, ça déverrouille, merci. Tu peux donner ta part de. C'est codé? C'est quoi? Lui-même, il va déverrouiller. C'est maman. Je sais pourquoi tu es réticente à l'idée de lui donner ton mot de passe. C'est juste que moi je pense que le téléphone est personnel. Et bah non, j'ai pas encore dit ce qu'on va faire. J'ai seulement dit que pour voir, c'est un test de fidélité, tu vois. Oui. Le fait de l'avoir déjà donné ton code, ça prouve que tu es confiante, que tu es fidèle. Mais ça fait partie du test déjà, tu vois. D'un an que nous sommes ensemble, il n'a jamais rien suspecté. Non, laisse-moi te dire. J'ai dit qu'on a fait un test de fidélité. Le fait déjà de donner ton code à ton mec, n'est-ce pas? C'est une preuve de fidélité envers lui, d'accord? D'accord. Et le fait également pour toi de donner ton code à ta meuf, c'est une preuve de fidélité. Oui, oui. Maintenant, je vous explique le concept, ok? Oui. Le concept, c'est que avec toi, on va fouiller le téléphone de ta meuf ensemble. Et avec elle, on va fouiller ton téléphone. Oui. Donc, vous voyez qu'on a les mots de passe. Donc, dans tous les cas, il ne peut plus rien y avoir de surprenant. On commence par qui? Par lui. Okay, vous allez vous décider. Vous allez vous décider. On peut commencer par moi. Par toi. Problème, oui. Par lui, d'accord. Ok. Tu connais son mot de passe. Tu as son mot de passe. Non, laisse. Je dois garder ton téléphone. Parce que après, là, tu peux refuser qu'on fouille ta part. D'accord. Ok. Elle a dit que tu écris maman. Écris maman. D'accord. Ah, on commence d'abord par pour lui. Je vais commencer pour vous. Ah, pour lui. Ah, d'accord, écris. Mm-hmm. 7-0. D'accord. Déjà de verrouiller. D'accord. Allez, va dans WhatsApp. Directement. Je vais m'en aller parler directement dans WhatsApp. Ok. Il y a même le Face ID dans WhatsApp. C'est toujours le même truc, n'est-ce pas? Mm-hmm. Allez, c'est le même code. Le même code, je connais un utilisateur. On verrouille ça comment? Tu veux juste.
Voilà, entre là-bas. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu me dis, hein, on va dans la discussion d'abord. Est-ce que tu connais il y a un gars là-bas qui s'appelle Besti, un gars qui s'appelle Besti là-bas. Tu connais Besti? Je connais Besti. Ah, d'accord. C'est qui? Besti, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur. Besti, d'accord. Famille. BD. Anol. Il n'y a pas beaucoup de patience cité. Ouais, patience. Je connais Patience, c'est sa voisine. Ah, c'est sa voisine. Tu es sûr qu'avec sa voisine, il ne traite rien? Non, il ne traite rien. Tu ne traites rien avec Patience? Non, je ne traite rien avec Patience. Son nom de la édition avec Patience, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est une grande soeur, donc. Ah, une grande soeur. Oui. Ah, on ne sait jamais, j'entre quand même, quoi. Patience. Ouf. Traitez même rien du bon. Hein. Mais ta voix est que yo. De toute façon, dans la gauche, il n'y a pas que yo. Yo, tu, yo, tu fais quoi? Elle répond yo, il répond yo. Non, mais gars. C'est une grande soeur, donc. Non, ça va. Je comprends bien. Je sens qu'il peut rien avoir là-bas dedans. Les yo. Yanel. Yanel, c'est ça? C'est un mec. Ah, Yanel, c'est un mec. Ouais. Vas-y, si tu trouves pas. Allez, fouille, vas-y, vas-y. Calicia, c'est qui? Calicia. Oh, c'est une camarade avec qui on a fait le secondaire. Donc. Vous ne traitez plus rien ensemble aujourd'hui? Non. On peut vérifier. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez, va dans Calicia, on regarde. Si y a un message compromettant, tu me dis. Bon, je ne vois rien. C'est vraiment sa camarade apparemment. Ok. Nadine. Nadine, tu ne la connais pas? Non, je ne connais pas Nadine. Ok, c'est un peu d'entrée. Il ne te dit pas, tu ne connais pas tous ses amis. Normalement, quand on est ensemble, on doit... Ça fait combien de temps vous êtes ensemble déjà? Ça fait près d'un an. Un an déjà. Et un an, tu ne connais pas tous ses amis? En plus, il y a Nadine, il y a des décisions éphémères là-bas. Il y a des décisions éphémères là-bas. Dis-nous la vérité. Tu sais que ça va une Nadine quand même des décisions éphémères. Non, non, c'est juste pour. Plus généralement. Vous dites. Non, pas pour masquer. Plus WhatsApp, généralement, ça signale parfois le stockage plein. Et donc, du coup, éphémère avec... pour... c'est la seule avec qui tu aimes le média, décision éphémère. Tant de faire pas, genre. Il n'y a pas de décision éphémère nulle part, mais sur Nadine, il y a une décision éphémère. Regarde. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller dans la recherche un peu. Le gars, ça m'a l'air un peu louche. Ouais. D'accord. On va taper bébé. J'aime bien ça. Donc, ou, s'il a écrit bébé à un fils, ça va seulement sortir là-bas. D'accord. Tape là-bas dans la recherche, tape bébé. Bébé. Bébé, il y a. Landry, bébé. Bon, non, mais tu es pas un peu. C'est un peu trop loin là. Je pense que ça suffit, non? Non, non, non. C'est un test de fidélité, mon ami. Je refuse pas, mais c'est mon téléphone. Landry, bébé, c'est le nom de quelqu'un. Et Landry, bébé. Landry bébé, dis-nous qui est Landry bébé. Normalement ils sont dans la même place, pas ça. Landry, ça c'est un groupe. Ah c'est un groupe. Oui donc. Le nom dans le groupe c'est Landry bébé. Ah. Mais pourquoi tu t'es chauffé alors? Non, juste que tu allais déjà loin et en plus tu. On te connaît presque pas donc qu'est-ce c'est que tu même... fouille ton téléphone c'est pas moi mon ami. Ouais mon frère. D'accord. Mais bon tape mon amour. Il n'a pas écrit mon amour une fille. Il t'appelle souvent comment? Il m'appelle chérie. Ok, on tape alors chérie. Bon, mon amour d'abord. Bon, il n'y a rien. Dans mon amour. Aïe. Tu dis qu'il n'y a pas. Il n'y a rien dans mon amour. Attends d'abord. Regarde-toi-même. Regarde-toi-même, mon amour. Mon amour. Tu as vu Besti que Bestie. Tu disais tout à l'heure. Avec les cœurs et l'alliance. Elle t'a dit tout à l'heure Besti. Avec le cœur. Tu m'as dit que tu la connaissais, que c'était quoi. Ok, vas-y. Et lis-toi-même. C'est pas moi qui vais lire. Commencer. Que t'inquiète pas pour moi, chérie. Donc tu m'appelles chérie, tu appelles aussi Besti chérie. Hein? Tu m'appelles chérie, tu appelles aussi Besti chérie. C'est ma soeur, non? C'est ma soeur. Tu as dit même que c'était sa soeur. C'est ta soeur et tu mets le nom avec le cœur et l'alliance. Non, c'est comme pour montrer que nous sommes unis. Tu vas épouser ta soeur. Vous êtes soudés pour quoi? Continuons le message. Lis les messages, s'il te plaît. J'ai vu beaucoup de mon amour dedans. Tu as mangé. Elle demande à Besti si elle a mangé, elle m'a envoyé une vidéo. Besti t'envoie ses vidéos. Mais ta soeur est bio, regarde un peu. Mais ta soeur là... Ouais, les hommes... Attends. Tu te rappelles, Besti est bio. Hein. Besti est bio. Je pense que ça suffit, non? Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu penses de Trombo, quoi? Bon, moi, au début, je croyais qu'il ne me trompait pas. Et maintenant, là, j'ai un peu une preuve que... Non. Et Besti, tu pensais que tu m'as dit au départ que tu pensais que Besti était sa sœur. Oui, effectivement. Il t'a présenté à Besti. Non. Mais il t'a simplement dit que c'est sa sœur. Pourquoi tu lui as dit que Besti était ta sœur? Mais parce que c'est ma sœur, mec. C'est ma sœur. Attends, toi, tu causes avec Besti, tu appelles ta sœur bébé, mon amour.
D'accord mon amour, voici ça ici. C'est toi qui écris d'accord mon amour. Mais ça t'arrive pas. Attends, attends, je te dis, voilà exactement ça. Et d'ici là, tu veux mon avis, dis-moi d'abord pourquoi tu veux le Samsung. Hey, la go veut. Hein. Juste comme ça, chérie. Hey, c'est comme la go là te finance en plus. Elle demande que dis-moi d'abord pourquoi tu veux le Samsung. Il dit juste comme ça, chérie, d'accord. Continue avec l'iPhone sinon. D'accord mon amour. Tu vois, elle lui donne même les articles. Là, tu es sûr que le bébé là, non, tu sais pas son niveau. C'est son bon cognac. Non mais elle t'offre des trucs, elle t'offre des articles, des Samsung et non, tu vois. Dieu, je crois que c'est bon, et ton émission là, je pense qu'il faut arrêter comme ça. Tu veux qu'on arrête? Non, on n'arrête pas, on doit partir. Non mais il faut couper ça. Oh, il faut arrêter. On va fouiller. Ta meuf dit qu'on va fouiller. Non, ça suffit, on va le faire plus tard. Parce que si on voit ça, ça veut dire qu'il y a également. On n'a pas besoin de lui. Non. Elle veut faire. C'est pas la peine. C'est pas la peine, comment. Je suis en train de voir Célia. Merci beaucoup, amour. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de trucs, hein. Célia est bestie. Célia est bestie, les appelle mon amour. Mon amour. Mais dans tout ça, on te voit, on te voit presque pas. Tu es même celui qui a ton numéro enregistré, Célia. Je sais. Attends, donne un peu voir. On va voir si il y a même ton numéro enregistré. Tape un peu ton nom ici. Comment tu t'appelles? Comment il a enregistré ton numéro? Laetitia. Laetitia. Je vois quand même qu'il a mis un cœur devant. Ouais, il y a quand même là-bas, sans souci, chérie, beaucoup. Wow, bon. Ah oui, c'est vrai. Mais gars, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Il te trompe. C'est clair. C'est clair qu'il te trompe. Ouais. Gars. Non. C'est clair que tu le trompes, la trompes, non, désolé. Non, nous sommes ensemble depuis un an, je ne suis pas trompé. Avec Bestie et Célia. Non. C'est flagrant, monsieur. C'est flagrant. C'est très flagrant, okay. Extrêmement. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Là, c'est, il ne me présente pas des excuses, qu'il m'explique clair à clair. Oui. Il appelle Bestie. Oui. Bestie vient à la maison pour qu'on échange. Oui. Si ce n'est pas ça, on va seulement arrêter la relation. Donc, non, avant de présenter des excuses, bon, il faudrait qu'on aille sur son téléphone aussi. D'abord, oui, ok. Il n'y a pas de souci. Elle dit d'abord, n'est-ce pas? Oui. Il faut que tu appelles Bessie, elle va clarifier les choses. Sinon, dans le cas contraire, vous allez rompre. Hein. Et si tu es d'accord avec ça? Non, puisque Bessie, c'est ma soeur. Non, on va faire une vidéo spéciale pour ça. Hein, où les gens vont appeler Bessie, t'es d'accord? Tout à fait. On doit appeler Bessie pour qu'elle vienne clarifier les choses. Oui, tu as dit que c'est ta soeur. D'accord. Okay, oui, bon, j'ai une condition. Oui. Qu'on fouille d'abord son téléphone. On fouille d'abord son téléphone. Son téléphone, oui. Ok, d'accord. On va fouiller ton téléphone, oui. Non, moi, je ne pense pas. Il n'a jamais eu l'habitude de fouiller mon téléphone. Je ne pense pas que c'est maintenant qu'il va commencer à le faire. Sauf qu'on a déjà fouillé ton téléphone. Donc, tu n'as même pas le choix, ma belle. Ah. Dans tous les cas, on va faire une émission avec Bessie. Il faut qu'il te clarifie ça. Tu n'as pas fait ça. J'ai vu. Alors? Et là, vraiment, je suis tellement déçue. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me faire un truc comme ça. Mais ça ne fait rien. C'est décevant. Tu ne me fais pas confiance. Depuis un an. Depuis un an, tu me fais toujours pas confiance. Regarde quelqu'un qui vient avec une émission, une seule émission, et il installe ce problème. Non. Tu as à fouiller, non? Non. Tu veux vérifier si elle te trompe aussi? Oui, c'est le cas. Moi, je vais vérifier ce qu'il a dit. Si tu le trompes aussi, ça veut dire qu'il admet déjà qu'il te trompe. Non. Dans tous les cas, on va faire une émission avec Bestie. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas si la peine. Si tu veux vraiment. C'est pas la peine. Ok, vas-y, fouille alors, fouille. Ok, d'accord. Tu as vu le procédé que j'ai utilisé tout à l'heure, non? Ouais. Donc, si tu ne remarques pas, non, tu peux aller dans la recherche, tu tapes seulement bébé, tu vas voir tous les gens à qui elle écrit bébé ou qui décrit bébé vont voir apparaître. C'est même bien. Non, là, il n'y a rien. Pourquoi tu te rapproches autant? Tu as peur? Hein? Non, je n'ai pas peur. Ah, d'accord. Il y a alors les messages ici. Ouais, hein. Ouais. Mon bébé. Attends, c'est elle qui écrit mon bébé, ça qui? C'est toi? Non, c'est pas moi, ça c'est pas moi, non. Et non, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ok. Ça allait vraiment. C'est lourd, hein. Tu écris beaucoup, hein. Mon bébé, oh. Attends. Il n'y a pas de souci. On a fouillé ça. Calme-toi. Mon bébé, oh, mon amour. Oh. Tu es la source. Attends. Non, calme-toi. Lis. Toi-même, lis. Il n'y a pas de souci. Lis. Je vois les, mon bébé, mon amour, tu es la source de ma joie. Calme-toi, attends. Oh, putain. Calme-toi. Tu es la source de ma joie et ainsi de suite.
Attends, Anon c'est qui au juste? Anon c'est qui? De... Tu lui dis d'abord. Non, oh putain, Anon c'est qui? C'est un grand frère. Un grand frère. Mm-hmm. À qui tu as le truc? Au même titre que l'autre tout à l'heure, que comme sa soeur là. Oui. Donc, il dit que comme l'autre c'est ta soeur là, celui aussi c'est un grand frère. Toi, un grand frère. Et je ne connais pas Anon. Et c'est moi je connais Bestie. Non mais Bestie c'est pas la même chose. Plus tu viens de dire que c'était ma soeur. Donc Bessie c'est juste ma soeur à qui. Tu m'avais dit que Bessie c'est ta soeur. Mais sauf que tu lui as même pas parlé d'Anon. Il n'a pas voulu savoir. Moi je suis pas du genre qui m'ouvre trop. Non. Totalement. Mm-hmm. Donc après un an de relation, tu viens dire maintenant devant la caméra que tu n'es pas déjà à t'ouvrir. C'est ça. Attends là, tu es sérieuse. Tu me trompes carrément. Et tu dis que tu n'es pas déjà à t'ouvrir. Ouais. Ah ok, allons voir. Peut-être il n'est pas le seul. C'est un grand frère. Il n'est pas le seul. Mais écris le mot de passe. On continue. Il n'est pas le seul. Tu sais que il y a. On va persister. Hein. Non. Dis la vérité. Anon, c'est qui? Anon, c'est un ancien gars. Ok, maintenant c'est un ancien gars. D'accord. Quand je l'ai rencontré bien avant d'être avec Franck. Oui. Donc, il me finance bien, il prend soin de moi. Oui. Et le téléphone là, c'est lui qui a acheté. J'avais oui. même un autre que lui connaissait. Oui. C'est toujours lui qui avait acheté. Je lui ai posé un problème de téléphone, il ne m'a pas donné. L'autre me donne 30 000 par semaine. Lui, il est incapable de me donner même 2 000 par semaine. C'est un petit. Ah bon, hein? Oui. Mais tu as ça lui quand même. C'est parce que je l'aime, mais il ne peut pas prendre soin de moi. Ça se voit que tu es brune, tu utilises qu'elle est en passant. Bibi Claire. Bibi Claire. Son lait, c'est Bibi Claire. Hein? Non, mais ton lait de toilette, c'est moi qui achète. Ton savon, les soins, je prends soin de toi. Et aujourd'hui, tu me dis que tu ne peux pas prendre soin de toi depuis un an. Est-ce que tu m'as acheté le téléphone? Tu ne m'as pas acheté le téléphone. Tu sais combien mon téléphone l'a coûté? Beaucoup. Tu ne m'as pas acheté le téléphone. J'avais besoin du téléphone. Pour écrire à tes dragueurs. Bon, pas trop ça, hein. C'est pas trop ça en c'est fait. Le truc c'est que plus l'autre la finance, mon cœur commence un peu à balancer des deux côtés. C'est... Ça veut dire qu'en fait, tu veux nous avouer par réel que actuellement, si tu as ton cœur balance entre lui et l'autre. Effectivement. Et mais que tu aimes qui, lui ou l'autre? Bon, je sais pas, hein. Parce que tu sais que là où on t'entretient bien, l'amour s'y installe c'est également. Au mais... début, ça s'est commencé comment? Au début, j'étais avec lui. Au début, avec l'autre, ça oui. se passait bien. Après, je l'avais barré. Maintenant, pourquoi tu l'avais barré, tu es revenu? Tu n'es pas sûr que le fait de t'entretenir, c'était une façon de t'acheter, d'acheter ton amour? Parce que si tu l'as barré au départ, ça veut dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien. Non, c'est juste que Franck et moi, on avait eu un souci. Là, on oui. s'était d'abord séparés. Oui. On a fait un mois. Oui. Pendant ce temps, l'autre est venu et on a mais commencé. C'est pas une question, elle me trompe. Tu poses une question alors qu'elle me trompe. Non, il faut qu'elle nous explique pourquoi. Expliquer quoi? Il n'y a plus besoin d'explication. Elle me trompe. Et toi également, tu la trompes, non? Non, je ne l'ai pas trompé. Je me suis déjà. Non, Bestie, c'est qui? Je veux voir Bestie là. Bestie, c'est qui? Tu as déjà dit que c'est ma soeur. Je peux directement arrêter la relation avec l'autre. Est-ce que toi, tu es capable d'arrêter ta relation avec Bestie? Ok, attends, c'est ça la question en fait. Ok, elle est, là j'apprécie déjà un peu sa franchise. Tu es prête à arrêter la relation avec l'autre? Je suis prête à arrêter la relation avec l'autre. Mais il doit me présenter Bestie. Il doit arrêter la relation avec Bestie et me prouver qu'il a vraiment arrêté la relation avec cette dernière. D'accord. Puisque Bestie, c'est ma soeur, pourquoi est-ce que je devais arrêter? Regarde, n'est-ce pas? Bestie, c'est ta soeur et tu écris mon amour à Bestie, tu mets le cœur avec l'alliance, c'est normal. Non, mais pourquoi elle est la seule sœur? Les garçons, sérieux, tu vois, je suis pas avec là pour toutes les quatre sœurs que tu as, ce n'est pas normal. Il fallait mettre l'alliance sur les autres, non? Pourquoi c'est seulement Bestie? En plus, Bestie même, est-ce que Bestie c'est son nom? Bestie, ça veut dire ta préférée, n'est-ce pas? Oui. Donc moi, je suis qui? Je ne suis personne, c'est ça. C'est vrai. Mais gars, tu sais quoi, dans de telles circonstances, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il faut faire profil bas. Je ne suis pas là pour briser forcément votre couple. J'ai dit, on venait faire un test de fidélité. Et pour voir si ça match, j'ai l'impression que, tu vois un peu, elle a reconnu quand même qu'elle joue à double jeu. Mais c'est peut-être parce qu'elle dit que tu n'as pas les moyens financiers pour l'entretenir comme elle devrait. Son temps est clair, c'est vrai qu'elle utilise la Claire. Ou, tu as dit quoi, Claire, là? Bibi Claire. Bibi Claire. Et je pense que c'est un lait qui coûte extrêmement cher.
Mais elle est prête à arrêter cette relation si tu t'engages à lui présenter Bestie. Ok. Oui. Est-ce que tu es prête à faire ça? Bon, je tiens à elle, donc je ferai. Tu le ferais. Donc, nous, prochainement, nous sommes dans la ville de Chang. Nous reviendrons ici pour une deuxième vidéo. Ou alors, on fera une partie 2 avec eux où tu vas nous présenter Bestie, d'accord? D'accord. Ok. Il faut à Mondo Visio, parce qu'il faudrait que tout le monde qui a assisté à cette vidéo-ci soit témoin du fait que Bestie, c'est ta soeur, soit tu as arrêté la relation avec Bestie. D'accord. Je m'engage à le faire. À le faire. Oui. Tu es également sûr? Si. Moi, je sais que je vais arrêter la relation avec lui parce que ce n'est même pas une relation basée sur le sentiment. Oui. C'est parce qu'il prend soin de moi, c'est tout. Ah, d'accord. Ok. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de vous mettre en accord et de discuter. Vous avez vraiment beaucoup de choses à vous dire, d'accord? D'accord. Et ma chérie, tu sais, c'est pas toujours le matériel qui fait une relation. Aime quelqu'un sincèrement, d'accord? Dans tous les cas, nos auditeurs, nos téléspectateurs seront témoins de la discussion avec Bestie et même avec Arnold. Parce qu'il faut pas, c'est pas seulement d'un côté. Il va falloir que tu appelles également Arnold. Oui, Arnold. Et que tu clarifies les choses devant tout Amondo Vision. Hein. Tout à fait. D'accord. On va faire peut-être une vidéo à 4, on ne sait pas. Un de ces quatre, vous organisez ça, d'accord? Ok. Ok, merci beaucoup. Hein. D'accord. Alors, on vous laisse dans votre discussion et puis le Cameroun tient bien. Ma mignonne, même quand t'es vexée, t'es trop belle comme ça. Yeah.